Salut, c'est Strater, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Une vidéo très spéciale aujourd'hui parce qu'on va parler des attaques cochons en guerre de clans bien évidemment. Et je vous invite fortement à la revoir cette vidéo, à bien regarder, à bien comprendre tout ce qui va être dit. Parce que ça va être une solution pour faire du 3 étoiles. Et je vous invite aussi à la partager avec les membres de votre clan pour que vous poutriez en guerre de clan et que vous enchaîniez tous des 3 étoiles parce que ça va être monstrueux aujourd'hui. Mais avant de vous montrer ces nouvelles attaques, je vais vous reparler très rapidement, sommairement, de ce qu'a été les attaques cochons. Vous vous rappelez, au début, on faisait que des cochons quasiment, et on les envoyait en gros tas, avec des soins, on avait trouvé ça très intéressant, c'était très efficace. Malheureusement, ce genre d'attaque a été très rapidement terminé par un petit patch avec l'apparition des trappes squelettiques et les joueurs qui ont trouvé la solution en mettant deux doubles bombes à côté et boum badaboum. Terminé, disparition des cochons, cette unité qui vaut rien, etc. Ça a été vite oublié, vite écarté. Et puis, récemment, il y a quelques temps, on a découvert les attaques. On fait un push et on le renforce avec des cochons. Voilà, ça c'est il y a quelques temps qui est apparue cette technique extrêmement puissante. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce genre d'attaque. Même si ça, on va voir que ça reprend ses grandes lignes et ses grands principes. Je vais vous montrer ce qu'on appelle les attaques chirurgicales à coups de cochon. Et voilà la dernière nouvelle tendance de ces attaques qui sont encore plus dévastatrices. Alors accrochez-vous bien, mettez vos ceintures et gavez-vous de ces replays. Commentez et inspirez-vous-en. Adaptez ces techniques que je vais vous montrer, cette technique que je vais vous montrer à vos futurs villages. Allez, c'est parti! Allez, première attaque et je vous propose un live s'il vous plaît. Alors la tête que vous voyez en gauche, c'est pas du tout la mienne, c'est celle d'un commentateur américain qui va poutrer, qui va vous montrer ses fameuses techniques de cochon, attaque chirurgicale s'il vous plaît. Allez, regardez un petit peu la composition, composition très intéressante, vous avez vu, il y a du géant, il y a du golem, il y a beaucoup de golems. Donc là vraiment c'est un gros push insisté, hein. Il y a beaucoup de variantes à cette technique, mais là il insiste lourdement sur le push. Voilà, bah, on pose 3 golems, on pose les sorciers, attaque classique, j'allais dire. On pose 0, moi j'aime bien poser la reine un peu plus tôt. Bon, bref, c'est son choix, et surtout qu'il poutre ce joueur, donc on va pas trop critiquer. Voilà, les sorciers ont fait leur taf, ils ont nettoyé les bâtiments, le seau est placé, donc on est vraiment dans un push classique, assez lourd, hein, assez conséquent quand on sort 3 golems et autant de sorciers. La sorcière, la reine qui vient finalement, hein, un petit peu tard, mais elle vient. Le château de clan qui s'enclenche. On a bien évidemment pas pu le sortir, donc on le foudre. Hein, toujours un plan pour sortir le château de clan, c'est très important. On est dans une attaque cochon, il faut le détruire. Le king qui s'amène quand il n'y a plus rien à raser, mais pour détruire ce château de clan. Et la reine, voilà, il engage la furie et il passe à la deuxième étape. Et regardez bien comment il utilise ses géants. Un géant, boum boum boum, cochon cochon. Un géant, boum 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 boum. Cochon, cochon, il y place 3 cochons par tour extérieur. Allez, boum boum, un petit géant bien qui protège le maximum de cochons. Et on balance 3 cochons par 3 cochons. Et regardez, on place les soins aussi vers le centre à la fin de ses attaques. Et ça nettoie toutes les tours. Il s'en fout qu'il y ait des bombes, qu'il y ait des doubles bombes. Il s'en moque totalement. C'est pour ça que c'est si fiable cette technique. Hein, pas de malheureuse surprise avec des packs de cochons qui atterrissent au mauvais endroit et au mauvais moment. Et boum boum, ils sautent tous. Non, là, il n'y a même pas de ça. Et voilà, ça passe assez tranquille, cette technique. Même si c'est vrai qu'il a un héros 24 et une reine 20 pour un HDV9. Je vous avouerai que c'est sûrement pas votre cas. Mais bon, voilà un petit peu qu'est-ce qui peut vous inspirer. Vous avez vu, c'est très simple. Le gros push qui nettoie la partie nord-est de la carte. Et on soutient côté gauche avec les premiers cochons et les premiers géants qui vont nettoyer tout le pourtour de tour qui tuerait votre push qui atteint le centre. Eh bien non, ils vont disparaître ces tours. Et voilà comment on casse un 3 étals avec une attaque cochon, attaque chirurgicale. Vraiment très belle entame pour vous montrer un petit peu cette technique. Même s'il y a quelques petites choses à redire sur cette strat. Je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il a fait. Mais en tout cas, très intéressant. Et j'espère que ça va vous plaire. On va passer au deuxième replay, alors que le 100% on l'attend, hein, c'est pour le suspense. Voilà, il arrive. Mon 99, oh, il y a un cochon qui vole. Allez,
Allez, le 100% là. Je peux pas accélérer, malheureusement. Il se fait un peu plaisir. Bah, il est en live. Hein. Voilà, le 100%. Merci pour cette belle démonstration. Voilà. Allez. Deuxième partie. Je l'ai volé à Gadiash. Comme vous pouvez le voir. Donc, il montrait un petit peu les parties de son clan. Et regardez, encore cette technique géant, double posage de cochon qui élimine. Là, bah, cette fois-ci, la partie nord-est qui enclenche le château de clan. En plus, il dégomme deux bombes géantes. C'est limite de la triche. Voilà, donc là, le château de clan est détruit. Les quelques tours sont détruits sur le côté nord-est. Et voilà comment on va détruire le château de clan de ce côté-là, puisqu'on a réussi à le sortir. Allez, à coup de sorcière et de sorcier. Alors moi je me rappelle de cette partie, j'ai pas du tout aimé sa façon de nettoyer le château clan parce que j'estime que sacrifier 3-4 sorciers et 2 sorcières, parce que vous allez voir, il va pas du tout pusher de ce côté là, vous allez vous en douter parce que vous connaissez un petit peu ses attaques de push avec soutien sanglier, il va devoir pusher sur l'arène. Et là malheureusement il est de l'autre côté, donc il va sacrifier tout simplement ses troupes qui ont nettoyé le château clan. Moi je déteste ça, je vous déconseille de le faire. Voilà, le push qui s'entame en tout cas. Cette fois-ci à coup de 2 golems niveau 5, mais c'est un HDV s'il vous plaît, pour avoir 2 golems un HDV 10 là qu'il fait, ouh c'est moche, avec 2 héros 30, ouais 31, oui effectivement c'est un HDV 10. Bon, on regarde quand même, le petit saut qui s'enclenche, pour aller chasser la reine là, pour l'orienter un petit peu, voilà on nettoie ce qu'il faut. Un petit Fury pour... bah oui, forcément, on a des héros 30, on peut se casser un petit Fury, ça va bien aider. Hein. La reine qui est dégommée, un Arkix, le roi qui est dégommé. Et on lance ses cochons, toujours avec ce soutien de géant. Les soins sont prédisposés. Il aurait pu les poser un petit peu plus loin, hein, s'il vous plaît. Il s'est méfié peut-être des bombes éventuelles qu'il allait rencontrer. Voilà, le troisième soin qui est lancé. Et le château qui est nettoyé, on lance des petits cochons pour détruire les dernières tours. Il aurait pu préparer un petit géant de ce côté là d'ailleurs au passage. Enfin voilà, c'est nettoyé. Mais bon, j'aime pas commenter des HDV10 qui défoncent des HDV9, je trouve ça un peu facile. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe de cette technique. Et on va continuer à vous le montrer, à vous le décortiquer, à vous dire ce qui est bien et pas bien à faire. Mais voyez comme ça paraît simple sur le papier. C'est pas si simple que ça. Il fallait un peu avoir préparé son attaque. Donc cette fois-ci, on a un vrai HDV9 contre un HDV9. Et regardez le château, mur max, tout est max. Des gros héros. Donc comment vous voulez faire un 3 étoiles quand vous êtes HDV9 sur un HDV9 comme ça? Et bien regardez, démonstration, s'il vous plaît. Donc le push à coup de 2 golems. Voilà. Et 2 sorciers. On nettoie une partie. On rentre. On est rentré à coup de sapeur, ça c'est bien. Moi j'adore, là je trouve que ce joueur beaucoup plus sympathique. Le Fury. Bon, il a des gros héros aussi, hein. Donc là ça permet certaines choses. Les trappes squelettiques qui s'enclenchent, qui pourraient poser problème aux cochons, ça c'est un petit peu de chance, qui sont de ce côté-là. On a un molosse, s'il vous plaît, en défense, ça va embêter un peu la reine, qui va perdre beaucoup de temps. Mais voilà, ça c'est fait. C'est tout nettoyé. Je crois qu'il va sacrifier son push, hein. J'ai l'impression qu'il est parti pour ça. Allez, il le renforce. Cette fois-ci, il n'y a pas les petits géants. Allez, s'il lance un petit géant en bas à gauche, on envoie les petits cochons à chaque fois. Hein, comme des ballons, en fait. Trois petits cochons par trois petits cochons. Et puis, la maison prend le feu. Attention, blague. Voilà, on est encore une petite fournée. Et on est parti. Boum, boum. Voilà, c'est tout nettoyé, c'est beau, c'est propre. Allez, un petit soin, bien placé, hein, bien calculé. Regarde le masse de cochon qui prend le soin. Lui a été très très bien vu. D'ailleurs, il tombe sur une bombe géante. Et voilà, c'est nettoyé, s'il vous plaît. Donc c'est super simple, hein, regardez. Hein. Push au nord-est, boum, soutien à l'est, sud-est. Et hop, on fait le petit tour. C'est vraiment sympathique. Et 3 cochons par 3 cochons avec un petit géant qui va tanker les tours extérieures pour vraiment pas gaspiller de soins. Allez, une nouvelle attaque encore. Nouvelle attaque. Donc on est d'accord, le push c'est sur la reine. Donc là, par quel côté va-t-il push? Ils vont chercher les reines vachement loin, je trouve. Hein. C'est très très osé ce qu'ils font. Allez, on drop. Donc ça sera 2 golems. On lance les sorciers pour nettoyer les structures extérieures. On lance la reine très tôt. J'aime bien, bien, bien ça.
Bien ça, il y aura un petit sapeur ou pas? Ouais, les petits sapeurs pour aider les golems à rentrer, les golems qui rentrent, forcément. Le saut derrière. On va se donner le droit d'aller défoncer l'arc qui s'est peut-être déclenché des bombes d'ailleurs. Je pense qu'elles sont juste devant. Je pense à la même chose. Le king qui déboule. On n'a pas poulé château de clan, donc forcément il y aura foudre. La foudre qui part, qui dégomme un peu les tours aux environnantes, ça aide un petit peu. Voilà, on n'a toujours pas claqué le sort des héros, ça c'est cool. Ils sont costauds, il faut dire. Les premiers cochons qui partent avec toujours leur géant. Voilà, bien réparti, 3 par 3. Blim, 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 blim. Bon, là, il y en a qui ont sauté un petit peu sur une trappe. Les soins qui sont enclenchés vers le centre de la carte. Encore des cochons, toujours des cochons. On en garde en réserve pour l'avancement des cochons. Ça va bientôt partir côté gauche. Allez, c'est parti, le géant côté gauche. Voilà, sur un maximum de tourelles. Qui va sacrifier et on envoie les petits derniers petits cochons qui restent dans la besace. Et badabim, badabim, badaboum. Le petit soin quand il faut. Et les tours sont nettoyées. On se permet de lancer quelques sorciers à chaque camp pour raser la base. Et voilà comment on nettoie un hôtel de ville niveau max, s'il vous plaît, avec ce genre de technique. Donc j'espère que vous l'avez compris. Ça paraît simple. Ça demande un peu de pratique et ça sera pas très très compliqué à mettre en œuvre. Allez, nouvelle partie. Bon, encore des RO30, hein, je suis désolé. Mais on a des HDV9 max, hein, il faut dire. Donc c'est tous du max contre du max. Mais imaginez à votre niveau, vous aurez des hôtels de ville sûrement qui ne seront pas maxés. Donc un gros push bien, bien cochon, comme on dit, hein, bien violent, avec beaucoup beaucoup de cochons pour enclencher le château plan. Mais en même temps, on rase des tours, on en profite. Voilà, tout le côté sud est rasé au niveau des tours. Ça c'est fait, on attire côté droit avec, vous voyez, deux barbares, deux sorcières, ça aussi c'est le minimum pour nettoyer le château clan sans perdre aucune troupe. La reine vient assister, bien évidemment, on s'amuse. Coucou les enfants, c'est Mamie Nova. Allez, ça va être nettoyé. Oh là là, ouais, la sorcière qui sort, enfin, allez, sort de ce corps. Allez, oh, c'est un petit peu long, hein, c'est un petit peu long. On impatiente à côté droit, s'il vous plaît, merci. Allez, les squelettes qui tombent, s'il vous plaît. Oh, allez, hop, le push qui s'enclenche. Ouais, le golem est légèrement déporté sur la gauche parce que là, quand même, la reine est côté gauche. Et il va avec un seul golem, hein, lui. Il va carrément qu'avec un seul golem. Donc là, un tout petit push par rapport à tous les autres replays qu'on a vus. Le saut sur l'arc-X, et bien évidemment, il y a la reine juste à côté. Le king qui sort, il n'y a plus rien. Un arasé. Coucou les enfants, c'est papy. Allez, hop. Hop, on rentre. Un petit furie sur les deux héros. Bim, 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 bim. Carnage complet. Tiens, la king. Toi aussi, tu tueras pas mes cochons. Voilà, l'arc-X est tombé. Et c'est parti. À coup de géant. Alors là, il a décidé carrément d'aller chercher de l'autre côté. Bah, c'est vrai qu'au sud, il n'y a plus de tour. Alors, il aurait pu aller chercher côté droit, hein, s'il vous plaît. Mais bon, j'aime pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Allez, hop. Je veux dire que le push est quasiment vivant. On suit le petit arc, ouais, bah là il va tout lancer, là, et ça se passe tellement bien. Allez, géant et les cochons, 3 par 3, s'il vous plaît, face à chaque tour. Bim, bim, bim. Parfois il n'y en a que deux. Allez, c'est nettoyé. Il n'y a plus de soin, s'il y a encore un soin. Ouais, il y a un petit soin sur les derniers tours. Oula, les bombes qui sautent de partout. Et voilà, c'est nettoyé. Fin de stage, c'est propre. Hein, on est toujours dans le même principe. Alors parfois il y a un golem, parfois il y a deux golems, parfois il y a trois golems. Voilà, donc ça fait un peu moins de cochons bien évidemment à disposition. Parfois il y a un source, deux sources, trois sources, ça va jusqu'à 10 sources, etc., etc. Là il y en avait 5. Allez. Alors là on est tombé sur un truc un peu bâtard avec deux ballons. Alors ça c'est les Tesla extérieurs ça. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Ah carrément il y a un poulet. Voilà, un poulet géant intérieur. Alors s'il vous plaît, assez spécifique, il y avait un petit espace. Ah, il en a profité pour balancer un ballon et dégommer la Tesla. Ouais, petit trick sympa ça. Tiens, le géant, boum, le ballon aussi pour l'exploser. C'est gratos. Le château de l'an qui sort. Il faut le sortir. En plus, il y a une sorcière, c'est le pire contre cochon. Voilà, on balance carrément les quatre barbares. Les petites sorcières dans l'angle. La reine qui est sortie aussi. On nettoie le château de clan. Donc le saut devrait se décaler sur la droite. Voilà, pour la reine. Évidemment, avec le golem, hein, on a toujours compris le principe. Les petits sorciers qui nettoient. On met au show le king pour l'instant. Le château de clan qui résiste. On a lâché le deuxième golem d'ailleurs au passage. Parce que je crois qu'il y a une sorcière qui est morte là. Oh, pas de cul.
Ça a un peu mal tourné là, le pool du château de clan là. Pas trop de chance pour notre attaquant. Mais c'est pas grave, j'ai une technique qui poutre. Des cochons chirurgicales, s'il vous plaît. Allez. Et puis surtout des gros héros. Donc, on nettoie toute la côté sud. Ouh là là là, je suis en train de me dire là. Est-ce que la reine va être. Ouais, la reine elle est là, elle est au bord. Elle est un peu attirée côté droit là, elle n'a pas envie de venir là. Allez, viens la petite, t'intéresse pas au golem à droite. Allez, boum, furie sur les héros, comme d'habitude. On a des gros héros donc la furie c'est assez à faire hein, quand on a des héros de ce niveau là. Même avant. Allez, les cochons qui s'enclenchent, toujours avec leurs petits géants sur les côtés. Voilà, qui soutiennent côté droit le push, c'est bien vu. Boum boum boum. Alors on pourrait limite enclencher un heal, je pense que ça va pas trop tarder. Le géant côté gauche, ça passe par le nord. Oh là là là, il n'y a même pas besoin de ce qui va arriver quoi. Il n'y a même pas besoin. Attention à la bombe géante. Du coup on rebalance le heal sur l'arc X. Et ben voilà, c'est déjà nettoyé. Du coup, bon bah je lâche deux cochons de plus. Voilà, alors que les trappes squelettiques se donnent à cœur joie sur les cochons. Mais voilà. C'est nettoyé, c'est propre, il n'y a vraiment pas de surprise. Alors là, hein, franchement, avec tous ces replays, si vous comprenez pas, merci à Galliage d'ailleurs, qui ne sait pas que je reprends ces vidéos. Mais voilà, j'espère que ça va vraiment inspirer les gens du clan, vraiment, 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 vraiment. Allez, encore, encore, j'insiste, je mets une couche. Allez. Voilà, alors on push. Alors si on push directement qu'on n'a pas poulé château clan parce qu'il est bien centré, c'est l'hôtel de ville qui est décentré, donc là ça va être un éclair, hein, c'est la conclusion. On push, les sapeurs qui ont bien éclaté où il fallait, l'arène elle est juste derrière, c'est nickel, il y a un push 3 golems, là on revient sur la première technique qu'on avait vue. L'arène qui était posée d'entrée, c'est bien ça. Le roi qui attend, le roi est pour y aller, hein, ce petit feignasse. Pour y aller, là c'est open bar, le château clan qui s'enclenche, l'éclair qui va partir, on n'a pas très très bien concentré le château clan. On se sent fort là pour l'attaquant. C'est normal, c'est un général. Allez, boum. Et voilà, le push qui commence un petit peu à subir, et les cochons qui vont apporter leur soutien côté gauche parce qu'il restait des grosses tours. Il y a quand même un archix à côté droit qui aurait pu poser problème. Bon d'accord, pourquoi pas. Voilà, toujours ce géant cochon sur ses tours extérieures. Voilà, on fait tous les bords extérieurs en fait de la base. Alors, un escargot, s'il vous plaît. Pour mesure de l'avancement des troupes. Allez, les soins qui s'enclenchent vers un peu le bord milieu, hein, comme d'habitude. Et voilà. C'est nettoyé. Alors que les archiques sont restés, pour moi, hein, je pense, un petit peu longtemps. Et j'ai envie de dire, c'est un peu tricheur parce que les deux doubles bombes géantes étaient sur les Arc-X. Et il les a évités, le Saligo. Alors qu'il y a plein d'espace. Mais bon, ça y est, qu'est-ce endroit là où il peut avoir une double bombe. Bref, donc on va être un petit peu moins méchant sur les commentaires. Voilà, en tout cas, c'est très très bien joué quand même. Voilà, quelques sorciers qui étaient là en plus pour vraiment pas avoir le problème de temps. Allez, ça se finit là, s'il vous plaît, là. Voilà, merci. Il a accéléré, Gaïa. C'est bien, petit. C'est bien. Merci pour nous. Et puis j'insiste, hein, je vais remettre de gauche. On continue. Je n'avais pas bien compris. On le décortique encore. Allez, de nouveau un replay. Allez, attaque au nord, s'il vous plaît. À coup de 1, 2 golems. De 2 golems, on sort 2 sorciers parce que tout simplement la petite ligne de bâtiment est très très faible, donc pas besoin. Les sapeurs pour faire rentrer bien au milieu, c'est parfait, ça rentre. Avec, allez, les golems et les sorciers, vous rentrez. La reine qui se fait plaisir, le château clan qui est enclenché, comme il n'a pas été sorti en début de partie, il est foudré. Le king qui, bien évidemment, est rentré, il n'y avait plus rien à dégommer, qui se charge de la reine. Et peut-être du roi, bah non, c'est raté, il n'est pas level 30, donc forcément il meurt. Allez, on largue les cochons, alors cette fois-ci, parfois même sans géant, hein, s'il vous plaît. Hein. Il y en a eu un au sud, les autres non. Les soins, voilà, sur vers le centre, sans être trop centré. Évidemment, on commence à lancer aussi les premiers sorciers pour nettoyer les bâtiments, pour pas avoir le problème de temps. Allez, joli soin, regardez le nombre de cochons qui restent dans ce replay. Oh là là, même le géant derrière, il sert même plus à rien. Hé, tirez-moi dessus, bordel de merde! Bah voilà,
tout est fait et c'est nettoyé. Alors que d'ailleurs, au passage, c'est la première partie où le push est mort. Et regardez, c'est sans conséquence. C'est quand même passé très très facilement. Voilà, avec un milliard de cochons vivants. Hein, donc là, si vous n'avez pas compris encore la partie, hein, je ne peux rien faire pour vous. Mais j'espère vraiment que ça va vous donner envie de jouer les cochons. Et de cette manière-là, s'il vous plaît. Je crois que je suis, au cours des parties, revenu maintes reprises sur toutes les bases à faire, sur tous les principes à respecter pour que vous enclenchiez le 3 étoiles. Voilà. Bon, je vous invite fortement à quand même réfléchir à votre cible quand vous ferez cette strat. C'est pas si simple, hein, c'est réfléchi. Hein, surtout à déterminer le parcours des cochons. Mais voilà, en tout cas, c'est une très très belle technique. Allez, on est reparti de nouveau. Avec une composition très lourde en cochon, là aussi 22, 3 géants, 3 sapeurs. Par où va-t-il attaquer? Alors, il a attaqué sud. La reine est hyper loin, là. Vraiment, là, c'est super osé ce qu'il fait. Donc là, une grosse ligne au sud. Donc là, forcément, il y a beaucoup de sorciers qui vont sortir. La reine qui est sortie immédiatement. Ok, d'accord. Ah là là, c'est vraiment osé leur push, hein. C'est vraiment très osé parce que la reine est à l'autre bout de la carte. Mais pourtant il va y aller. Allez, on dégomme un coup de sapeur. On rentre. Le saut qui est timé à ce moment-là, bien évidemment. Enclenchement du château clan. Ah, oh, il y avait une foudre. Ah, oh, il y a un dragon 4. Oh non, c'est nul. Ça sert à rien. Ah, oh, je suis dégoûté. Comment je vais faire? J'ai une reine 25 et deux sorciers. Ça va être réglé. Mais quand même, petite surprise au passage. Allez, la reine qui est là. Viens là, le king. Oh, viens là, salope. Oh là là, je suis vulgaire. Bon, allez, les cochons. Trêve de plaisanterie qui rentre. Toujours protégé par les petits géants, bien évidemment. Hein, on respecte le principe. Le King 28 qui se fait plaisir de sur l'Arc X. Je vais tout dégommer. Je peux mourir en paix. Voilà, toujours le petit géant et ses petits cochons. Et les petits soins suivis quand il n'y a plus la protection du géant. Regardez, côté gauche, un petit géant et trois petits cochons. Et deux petits cochons, il n'y en a plus dans la besace. Et voilà, et voilà, 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 voilà. Et on a tout nettoyé, on a tout poutré, on a tout retourné. Un dernier soin sur le regroupement des derniers tours. Et puis c'est fait. Allez, l'éclair pour le style, parce qu'on l'avait depuis le début. Ah oui, il y avait un dragon 4 dans le château. Et ben voilà, on l'a claqué, il fallait le claquer. Et ben dis donc, si vous comprenez pas comment on joue cette tech, hein, je vous en ai mis des replays, hein, je vous en ai mis. Hein. Ah, je vous en ai mis des tonnes, hein. Et à chaque fois, il y a des petites variations alors qui sont dues à la adaptation de village, il faut pas croire, et aussi à la façon de jouer de certains joueurs. Voilà. Mais qui peuvent s'expliquer. On va essayer d'expliquer dans le prochain rep pourquoi il a fait ces choix-là. Allez, s'il vous plaît. Next. Alors, next. Donc. Alors là, il n'y a qu'un golem. Il y en a un en renfort, ça fait deux golems. Voilà, boum boum. Et voilà les petits sapeurs qui arrivent. La reine qui a été directement sortie après les sapeurs et les golems. Très très peu de sorciers, normal. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments extérieurs. Et la température est bonne pour le king. Le king qui rentre. Hein. Alors là, cette fois-ci, il y a des bâtiments à sortir, mais parce qu'il y a un king en face. Et là, petit, viens t'expliquer. Viens faire le bonhomme. Le château de clan qui s'enclenche. Il n'a pas été poulé parce que le château de clan est au centre de la carte. Hein, l'un des principes, du coup. L'éclair est lancé dessus. Voilà, on a arraché le king. Mais le king est mort, mon dieu. Mais il a fait son job. Maintenant, il faudrait que la reine adverse meure. Attention, c'est pas encore gagné. Il y a deux Tesla qui sont apparus. Petit problème ou pas. Allez, bim. L'Arc-X. La reine, elle a failli mourir. Non, c'est bon, l'Arc-X et la reine sont des gommés. Elle peut mourir en paix. Et voilà, c'est parti pour le lâchage de cochons. Toujours protégés par les géants. Qui dégomment les premières tours extérieures. Qui vont se réunir au centre. Un premier soin. Un deuxième soin. Ça va être côté droit, je pense. Côté droit, ouais. Ils ont pas pris côté gauche. Ils sont là, ils sont tout frais, tout gaillards. Oh là là, la chatte. Le double bombe géante enclenché par un cochon. Mon dieu, on peut pas faire plus chanceux que lui. Allez, hop là, et le dernier soin, en plein milieu des tours. On lâche le géant encore pour tanker quelque chose. Ouais, si, il va tanker, hein. Ouais, une tour d'archer, une canon, c'est pas mal. C'est pas mal, et même le mortier est dessus. Et voilà, comme quoi, là, regardez, le push est mort, et c'est passé. Et ouais, c'est passé facile, c'est passé crème, comme on dit.
Voilà, donc ouais, vraiment, oh, c'est vraiment cochon cette technique. Oh là 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 là, c'est bien joué, c'est très très bien joué. Et 100%, ça vous fait rêver, hein. J'espère que vous allez le faire. Alors réfléchissez un petit peu quand même à cette technique, expérimentez-la, et ça va passer super bien. Encore un nouveau replay. Allez, Roi 16, Reine 20, ça devient plus réaliste là. Dans les niveaux des héros, 3 golems, donc gros gros push sur le côté sud-ouest. Voilà, les sorciers bien séparés, chacun sur son bâtiment, le château clan qui s'enclenche immédiatement. On lance la foudre, une fois que c'est regroupé. Tous ces principes, j'espère que vous les comprenez. Boum, le king qui saute immédiatement, ça c'est très très cool. Le saut, parce qu'il y a une reine derrière. Hé, je suis caché derrière, hein. Ouais, la voilà. La voilà la reine 11. Viens ici, petite. Je vais t'attraper. Derrière là. Voilà, c'est bon. Boum, boum, boum. Allez, dégommer. Donc l'objectif est rempli. Tiens, il y a même un petit cochon qui était bien, bien ajusté pour dégommer. Allez, les géants, les cochons sur le côté droit de l'attaque. Les géants, les cochons sur le côté nord. On déroule le petit escargot. Voilà, on dégomme toujours ces tours extérieures. Il va falloir enclencher des soins sur les tours intérieures, sur la deuxième ligne. Voilà, qui est largué côté droit, qui est largué sur le nord. Et voilà, c'est bien joué. On peut lancer, tout s'est bien passé. On peut lâcher ses sorciers pour raser les bâtiments. Et pas avoir un problème de temps. D'ailleurs, il y a trois gobelins, s'il vous plaît. Il se sent tellement à l'aise, ce joueur, qu'il a trois gobelins pour dégommer les réserves et les mines. Pour se dire vraiment, pour être sûr de tout achever très rapidement. Allez, facile, facile, mec. Maîtrise totale. Oh là 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 là. Oh là là, pourquoi j'ai pas les cochons? C'est tellement simple, hein, mes amis. Tellement simple. Voilà, si ça vous fait pas vendre du rêve, ces attaques chirurgicales aux cochons. Et d'ailleurs, ce grand principe, je pense qu'on peut l'appliquer à des attaques terrestres. Je pense que les attaques terrestres tout court, sans cochons, hein, je parle, vont évoluer avec ces géants qui vont tanker les tours extérieures. Je le sens gros comme un camion. Je pense que c'est les prochaines évolutions de ces prochains jours. Alors, encore une, il y a déjà deux golems, il y aura sûrement un troisième golem en renfort. Trois géants. Et vous savez à quoi ils vont servir. Les premiers golems en attaque côté gauche. Tiens, il y a la reine en face. Là, on se fait pas chier. Oh, les golems très très concentrés alors qu'ils voulaient prendre tout le côté sud-est. Ouais, bon, d'accord, pourquoi pas. Ouais, je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, les bâtiments qui ont sauté. Il faut dire que les tours d'archer sont un peu en retrait. Du coup, elles tirent bien sur les golems quand même. Allez, la reine est là. Boum, le saut dessus, hein. Là, il va être sûr de remplir l'objectif. Le roi et la reine sortent. Le château clan s'enclenche. Et là, foudre. Il aurait pu sortir le château clan dans cette configuration de village. Il s'est pas fait chier, comme on dit. Allez, géant cochon, 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 géant cochon, cochon. Géant cochon, cochon, cochon sur l'attaque au nord. Donc l'attaque va se finir côté est. Géant cochon, cochon, cochon. 3 par 3. Clang, 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 clang. Une face à la canonne, une face à la tour d'archer. Le rage qui est enclenché en milieu, on se fait plaisir. La reine qui se fait aussi bien plaisir dans cette partie. Et voilà. Bim bada bim badi bim bada boum, comme dirait un rappeur français. Allez, hop. Et voilà, c'est terminé. Fin de l'attaque. Mes deux héros sont vivants. Mes 10 cochons. C'est la fête véritablement. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est fort. Et pourquoi je ne vois pas ça dans mon clan actuellement? J'espère qu'à la prochaine guerre, je vais le voir. Alors vraiment là, je vais m'énerver si je vois personne faire ça. Bon, je sais plus s'il y a une autre partie que j'ai collée derrière dans la vidéo. Je ne sais pas. Je m'en rappelle plus. En tout cas, je vous dis au revoir si c'est déjà la fin de la vidéo. Sinon, il y en a encore une autre. Encore une couche, hein. Encore une couche, s'il vous plaît. Non, je sais plus. Je crois que c'est la dernière, là, je crois. Il me semble bien. Bon, je vous dis au revoir, hein. Ça se trouve, c'est la dernière. Au revoir! À la prochaine!